Monsieur Poplin, vous avez la parole pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, longtemps, les choses ont pu sembler simples aux yeux du plus grand nombre s'agissant de la sécurité. Matraqués par des discours à l'aplomb sans mesure, impressionnés par une surdose de méthode couée, dont l'usage n'est parfois d'égal que la mauvaise foi, touchés par l'exploitation sans limite de l'émotion que peuvent susciter certains faits divers, nos concitoyens en ont été un temps convaincus. À droite se trouvaient les experts, ceux qui savent faire, qui ont la volonté et l'autorité nécessaires, presque de manière génétique. À gauche n'étaient que d'irresponsables laxistes. Cette caricature a vécu, même si d'aucuns sur ces bancs cessaient encore à l'entretenir, à la manière de vieux artistes nostalgiques de leur succès d'antan qui éprouvent les plus grandes difficultés à renouveler leur répertoire. Cette caricature a vécu d'abord parce qu'elle est confrontée au bilan de 10 années d'exercice de pouvoir. On allait voir ce qu'on allait voir, nous promettait-on. Eh bien, les Français ont vu. Alors qu'ils prétendaient agir, nos prédécesseurs se sont surtout agités. En 10 ans, pas moins de 18 lois ont été proposées à la représentation nationale qui les a consciencieusement votées. Un fait divers, une loi, la plupart du temps redondante, ou inapplicables sur le terrain. Cette inflation législative n'a en rien amélioré la sécurité de nos compatriotes. Elle n'a fait que surcharger le travail de la Commission des lois, qui n'a fait quasiment que cela au cours de la précédente législature, et même le gouvernement n'avait pas le temps d'adopter les décrets permettant leur application. Cette frénésie a donné le tournis aux forces de l'ordre et aux magistrats chargés d'essayer de les appliquer. Il ne suffit pas, mes chers collègues, de voter un texte sur les rassemblements menaçants ou hostiles dans les parties communes d'immeubles, c'était en 2003, pour que 9 ans plus tard, les riverains des quartiers de ma circonscription aient retrouvé la tranquillité à laquelle ils ont droit. Il n'est en effet pas de police sans policiers, ni de gendarmerie sans gendarmes. Nos prédécesseurs prétendaient renforcer, ils n'ont fait qu'affaiblir. Entre 2007 et 2012, cela a été dit, 10 700 postes affectés aux missions de sécurité ont été supprimés. 3 700 devaient l'être encore en 2013, avant que vous ne décidiez, Monsieur le Ministre, de mettre un terme à cette hémorragie conformément aux engagements pris par le Président de la République. Il n'est pas non plus de bonne police sans proximité. On savait déjà cela du temps de Vidocq. Et pourtant, cette police de proximité moderne, qui commençait à se mettre en place au début des années 2000 à l'initiative de la gauche, la précédente majorité y a mis un terme dès 2003. À la place, nous avons vu débarquer des quarts de CRS de manière ponctuelle dans nos quartiers quand la situation devenait trop tendue, ce qui ne contribuait en rien à la détendre, tant ces forces de l'ordre se trouvaient là éloignées des missions pour lesquelles elles ont vocation à intervenir. On nous avait aussi vanté la culture du résultat. Il n'y eut dans la réalité que la mise en place d'une stressante culture du chiffre, avec distribution de bons et de mauvais points pour ceux, plus ou moins zélés, qui parvenaient à présenter ou pas les statistiques flatteuses attendues par leur ministre. Et peu importe si, à compter du 25 du mois, porter plainte pouvait relever du parcours du combattant pour certaines victimes en certains endroits. À défaut de faire tomber la fièvre, il fallait casser le thermomètre avec des chiffres torturés de telle sorte qu'Amnesty International aurait pu s'en émouvoir, destinés à masquer la piètre réalité. Voilà dans quel contexte intervient ce premier budget de l'alternance. Je tenais à le rappeler parce qu'aucune politique nouvelle ne peut s'abstraire du bilan de la politique précédente. Parce que j'entends déjà quelques critiques sur vos propositions, Monsieur le Ministre, de la part de ceux qui, de mon point de vue, gagneraient à faire preuve dans ce domaine, comme dans quelques autres, de l'humilité de bon aloi qui sied à ceux qui ont échoué. Je tenais à rappeler ce bilan parce qu'il est clair sur l'importance des changements inscrits dans les crédits de la mission Sécurité pour 2013, tels que vous nous les proposez. En dépit d'un contexte budgétaire tout particulièrement contraint, le gouvernement remet la sécurité au cœur du pacte républicain et je m'en réjouis. Je pense bien sûr aux effectifs supplémentaires, mais aussi à la mise en place des zones de sécurité prioritaires, aux politiques de prévention,
aux efforts pour rétablir un lien de confiance avec la population, un lien de confiance entre la police et la justice, une adaptation des modes d'action à tous les aspects de la délinquance. Voilà ce qui justifie aujourd'hui pleinement notre soutien. Merci, monsieur.